Il y a eu un zoom. Alors. Ok, donc ce navire là, c'est à moi. Yes, à tout. Alors apparemment, on commence automatiquement avec un bateau, avec des outils, du coup, et du bois. Pas de colonie à porter. Donc là déjà, on a une belle île. On va peut-être pouvoir aller sur cette île. Ah, regardez. Tac. On va prendre cette île. Alors qu'est-ce qu'on a? On a... Ah, on n'a pas grand-chose. Hein. On a du cidre. Divine transparaît dans la flore unique de chaque île. Vous avez découvert un bâtiment sur une île. J'ai découvert un bâtiment sur une île. Ah ouais, bah c'est bien. En attendant, on va avoir un problème parce que c'est pas du tout. Il y a rien du tout d'intéressant sur cette île. On va continuer de se balader un petit peu, essayer de découvrir un peu d'autres trucs, justement. Je pense que l'île de départ est très importante. Hein, donc, il va falloir vraiment essayer de. Déjà, essayer d'avoir une île relativement proche du marché. Mais également une île avec des fertilités. Avec une terre assez fertile et très intéressante. Parce que si on a une terre dégueulasse comme celle-là, hein, parce que on peut faire que du cidre et de la bœuf, ça ira. Hein. Enfin, du chanvre, oui, mais bon. Hein, chanvre. Voilà, hein. Tu liras d'autres. Hein. Et là, bah là c'est exactement pareil. Mais est-ce que du coup, ça veut dire que toutes les îles, tu peux faire que du chanvre? Hein. On va fouiller notre île. On va fouiller d'autres îles. Bien évidemment, on va pas passer notre vie à fouiller les îles. Mais ne vous inquiétez pas. Je pense que ce que je vais faire... Il faudrait quand même que je pense à prendre une deuxième lampe, quoi, j'ai pas le choix. Comme ça, de toute façon, le mieux pour optimiser la luminosité, c'est d'avoir deux lampes, quoi. Le fait d'avoir qu'une seule lampe, ça nique un peu tout. Là, j'ai quoi? J'ai des abeilles et du raisin. Ah, oh, c'est vraiment pas ouf, hein. Oh là là, c'est à chier, quoi. Vraiment, abeilles, raisin, je trouve pas ça ouf. Pour l'instant, j'ai toujours pas avancé. Au moins, l'avantage, c'est que je ne perds pas d'argent. Vous possédez actuellement 30 000 pièces d'or. Bah ouais. Ouais, tout à fait, ouais. Bon, la prochaine île, si c'est du chanvre et de l'autre truc, là, on... tant pis, hein, on gardera cette île-là. Je sais absolument pas si c'est intéressant ou pas, mais au bout d'un moment, il faut quand même penser à s'installer quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette île? Parce que déjà, c'est une île. Ça ressemble à une île. Ça ressemble à... Pas du tout. Ce n'est pas une île. Mais par contre, j'ai découvert... Ouh! Et là, on a du green. On va s'installer là. Allez, hop. Allez, mon poteau. Reviens. On va se mettre là. Ça me paraît pas mal. Et puis, elle a l'air grande de ouf. Mais elle est immense cette île. Mais what the fuck. Mais oui, mais ça. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Bon. Déjà, on amène... Comment ça se passe? Comment je construis mon port? Ah. Nickel ça. Ok, donc maintenant il va falloir que je crée non pas une place de marché mais un petit bâtiment de marché. Donc déjà on va créer là. On va faire une route qui est reliée à ça. On va également... Ah non, c'était le marché qu'il fallait que je crée, putain. C'était la place de marché qu'il fallait que je crée. Maintenant, il faut des petites maisonnettes. Hein. Donc, tac. Alors, bien évidemment, on n'oublie pas qu'il faut entourer
Les maisonnettes. Pour les paysans, les fameux paysans, on perd de la thune. Hein, maintenant, on commence à perdre de la thune. Écoutez, hein, let's go, moi j'ai envie... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Moi j'ai envie de vous dire... YOLOLO. On n'a plus de bois. Bien évidemment qu'on n'a plus de bois. Ça aurait été trop simple. Non. Non. Oui. On va en faire 3. Ah merde. Je peux l'avoir que 50... Et j'ai que 50%. Bon, c'est pas grave. C'est déjà mieux que rien. Et lui, par contre, il y a que 96%. C'est pas... c'est bizarre. Bon, au moins, j'ai ma production de bois qui va se faire. J'ai mes bâtiments, là, qui arrivent. De toute façon, je peux pas faire grand-chose d'autre à l'heure actuelle. Ce que je peux faire, par contre, c'est visiter la carte. J'emmène mon bateau un peu plus loin, comme ça il va visiter un peu la carte pendant que mes mecs ils vont faire un peu de beau. Est-ce qu'il a, il est en train de ramener du bois le mec ou pas du tout? Qu'est-ce que tu branles gros? Qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours su que venir vivre dans votre ville était une bonne idée. C'est du bois ça? Ça a l'air hein, ça a l'air d'être du bois. Hein. Mais je sais pas où est-ce qu'il l'emmène. Bizarre. Donc du coup en fait on peut voir, ah je crois qu'il l'emmène au marché je pense, on peut voir que c'est un petit peu comme le anneau précédent hein. C'est à peu près le même délire, sauf que là j'ai un système de taxes en fait que je peux mettre du coup sur chaque paysan je pense, je peux peut-être le mettre sur chaque, est-ce que c'est pour tout le monde ou pas, ouais c'est pour tout le monde, bah je vais le redescendre et en fait on peut voir que par exemple si je mets la taxe à 150, les paysans vont pas être contents, tu vois. C'est normal. C'est normal. Oh, c'est cool. Ok, donc je peux faire des quêtes apparemment. Quête d'assistance. C'est où? Ok. Je regarde un peu là les terres. Ici on avait quoi? De l'herbe aromatique. Ça c'est pour aider la bœuf ça. Vous avez atteint un nouvel état de ville. Un nouvel état de ville. Incroyable. C'est laquelle mon île à moi? Je sais pas. Oh, les gars, j'ai perdu mon île. Bah j'ai perdu mon île déjà. Vous avez découvert le repère des corsaires. J'ai perdu mon île. Oh non, c'est pas... Ah, c'est celle-là? Non. Ah merde. C'est celle-là. Ah, c'est celle-là. C'est bon, j'ai retrouvé mon île. Non, c'est... Mais non, c'est pas celle... Si, c'est celle-là. Excusez, autant pour moi, je... Waouh. J'arrive même pas... Je trouve même pas mon île, moi. Je suis con, quoi. Donc, du coup, en fait, comme je disais, c'est un peu comme Anno 1800, sauf que j'ai l'impression... On a un système du coup de taxes pour gagner plus ou moins d'argent. Sauf qu'en fonction de la taxe qu'on va leur donner, ils vont être plus ou moins contents. Donc par exemple, si je leur donne cette taxe-là, alors comment j'ai fait pour voir le niveau de taxe? Genre là, les paysans en colère quitteront ce bâtiment jusqu'à ce que leur colère soit apaisée ou que le bâtiment devienne délabré. Donc ouais, vous voyez, genre je peux vraiment modifier comme je veux. Il y a tes saucisses. Je ne pense pas qu'il y ait de saucisses. Je ne pense pas qu'il y ait de saucisses, non. Et là, du coup, ce que je peux faire, déjà dans un premier temps, c'est me faire une pêcherie, comme ça. Vous avez découvert un bâtiment sur une île. Comme ça, ils auront... Enfin, attends, j'ai réussi là ou pas? Si j'ai réussi à le relier ah non, à l'époque ils mangeaient pas de saucisses. À l'époque ils mangeaient pas de saucisses. Yo Rémi, comment ça va?
Ok, donc là, du coup, c'est bon, on est bien. On est bien, on est bien. Alors, par contre, il y a juste un truc que j'ai toujours pas compris, en fait, c'est comment on fait pour que ça devienne des citoyens. Parce qu'au début, vous voyez, j'ai des paysans. Et après, ça devient des citoyens. Ça développe un peu. Donc, déjà, il faut de la boisson. Il faut de la boisson. Donc, forcément, il faut de la cidrerie. Donc, la cidrerie, moi, je vais la mettre ici. Tac. Et en fait, ce que je comprends pas, comparé à Anno 1800, où du coup, ils te demandent d'avoir telle ou telle main-d'œuvre pour pouvoir effectuer les trucs. Genre, par exemple, il te faut 50 fermiers pour pouvoir justement faire du cochon, par exemple. Bah là, il n'y a rien en fait. Il n'y a rien, ils te demandent pas, genre, nécessite de la fertilité pour produire du cidre. Bon, j'ai la fertilité pour produire le cidre, mais le truc, c'est qu'il te dit pas, genre, t'as besoin d'un tel, t'as besoin d'un tel. Genre, j'ai 120 fermiers, j'ai 120 personnes, mais c'est bizarre. T'es sur quel anneau? Je suis sur anneau 1404. C'est très bizarre, je ne comprends pas. J'ai mon bateau, je sais pas où il est. Est-ce que j'ai un bouton pour aller directement sur... Oui. Bah non. Donc si je perds mon bateau, c'est la merde. Ah non, là. Horloge. Ah voilà, nickel. Donc là, j'ai mon bateau qui est là. On va le demander d'aller là-bas. Et du coup, là, c'est... Oh! Oh, c'est grave stylé ici. Merde, attends, non. Va là-bas. C'est grave stylé ici. Qu'est-ce qu'on produit sur ces îles? De la datte? De la soie? De la canne à sucre. Oh, d'accord. Ça, c'est trop cool, ça. Et ça, c'est quoi, ça? Des gisements de quartz. Incroyable. Incroyable. Ok. Bon, en tout cas, ils ont toujours pas. Ils ont. Pourquoi? Ah, oui, putain, c'est vrai. J'avais oublié, il faut que je leur mette des. Faut que je mette ça, j'avais totalement oublié quoi. J'avais complètement oublié qu'il fallait que je mette ça. Par contre, j'ai pas changé le titre du jeu. Encore une fois, bravo Percy, bravo. Anno 1404. Sinon, j'aurais pas eu besoin de demander, mais vu que je suis un connard. Appuyez sur P pour reprendre la partie. Ok, autant pour moi. Ok, donc là, il commence à produire. Je peux. La production va bientôt commencer, d'accord? Il va produire ça. Et du coup, maintenant, je peux mettre mon église. Alors, mon église, est-ce que je peux la mettre là? Oui. Je peux la mettre là. Donc, du coup, là, en fait, ils ont la foi. Ils sont très satisfaits. Satisfaits aux besoins de foi. Très bien, très bien. On est très, très, très bien satisfaits. Et là, ils ont besoin de cidre. 0 de 40 tonnes de marchandises cidre en stock. Cliquez sur le bouton gauche pour autoriser tous les paysans de Wolf à accéder à la marchandise cidre. Ah, d'accord, je peux leur. Waouh! Ah, ouais, d'accord, je peux leur dire. Ok, mon poteau, à partir de maintenant, tu peux plus boire de cidre. Oh, c'est violent. Ok, le bois, je suis vraiment dans la merde. Ok. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Je gagne plus beaucoup de thunes, hein, par contre. Ils ont toujours pas de cidre. Hein. Eux, il faudra peut-être qu'ils se dépêchent un petit peu. Ou alors, ce que je vais faire, c'est que je vais en construire un deuxième. Sauf que le problème, c'est qu'il me refaut du coup des trucs comme ça. Je peux le mettre là, voilà. Alors j'essaye de comprendre, hein. C'est pas non plus très simple de changer d'un anneau à l'autre. Là je perds de l'argent plutôt que je n'en gagne. Donc ce que je vais faire, c'est déjà dans un premier temps, je vais recréer des nouvelles bâtisses. Putain, je pouvais faire amener là. Hop. Non. Ah, je peux pas les créer. Il me faut 16 de bois. Ok.
Et par contre, le cidre, il compte l'utiliser un jour ou il attend le déluge là? J'ai l'impression qu'il attend le déluge, gros, c'est incroyable. N'oubliez pas, si vous avez besoin de... Ok. Alors lui, il a découvert d'autres trucs. On va lui demander d'aller là-bas. Il continue de fouiller un peu. Très bien, continue de fouiller un... Putain de merde, j'ai perdu mon île encore une fois. Voilà, c'est bon. Mais c'est parce que je regarde vers le sud. Alors que mon île, elle est orientée... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord. Je vais rester comme ça au moins je suis tranquille. Ah, c'est bon, ils commencent un petit peu à être alimentés en cidre, les gens. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Fallait pas être pressé, c'est moi qui vous le dis. Fallait pas être pressé. Bon, on va refaire un truc de bois. Hop là. On gagne absolument pas du tout de thunes, hein. Vraiment, c'est violent. Attendez, lui... Ah merde, lui, il produit qu'à 28%. Vous avez découvert un bâtiment sur une île. Lui, il enlève qu'à 28%. Il fait qu'à 28%, donc je vais le détruire. Et comme ça, je vais en refaire un. Parce que 28%, Walou, c'est bon. Hein. Hop là. Nickel. Des citoyens ont emménagé dans votre ville. Alors du coup là, en gros, pour expliquer, du coup j'ai level up. Donc là, non, ça c'est encore une maison de paysans. Je vais la trouver. Hein. Je crois que c'est celle-là. Voilà, la maison de citoyens. Donc en fait, à partir de maintenant, en fait, j'ai des citoyens. Donc j'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles bâtisses que je peux mettre. Donc ici. Pour pouvoir justement leur faire... ce qu'ils veulent pour eux quoi. Donc on va le faire également. Bon, le cidre, on voit clairement qu'ils sont pas tant que ça satisfaits quoi. Parce que avec les paysans, je peux faire des routes en pierre. Cabane de tailleur. Alors déjà, je peux faire une plantation de chanvre. Donc on va faire ça. Hop, donc j'ai ma plantation de chanvre qui se fait. Vous avez rencontré un autre joueur. Ah, j'ai rencontré un autre joueur. Mon nom est Guy Forcas. Oula, t'es bizarre, mon frérot là. Alors, c'est sur cette île là qu'il est. Ça n'a pas l'air d'être sur cette île là. C'est sur cette île-là, d'accord. Alors, regardons un petit peu. Petit bâtiment de marché, cabane de bûcheron. Je regarde un peu comment ils font. Maison de paysans. Il a que des paysans pour l'instant. C'est Grima, la langue de serpent. Ah, c'est peut-être ça. Donc, il a une chapelle également. Il avance pas très vite. Par contre, il a un site de fouille, gros. Lui, il a un site de fouille. Et ça, c'est quoi? Petit bâtiment de marché. Ah, d'accord. Le petit bâtiment de marché, ça permet sûrement de renvoyer... c'est un peu comme l'entrepôt sur Anno 1800, quoi. Ok. Hop là. Ok, donc si je vais loin sur mon île et que je mets un petit bâtiment... Attends, c'est mon île, ça? Non. Oh putain, j'ai eu peur. Je croyais qu'elle était toute petite. Ouais, donc petit bâtiment de marché, c'est comme les entrepôts, quoi. Ok. Par contre, le bois, c'est la dèche, en fait. Le bois, c'est la merde. C'est la merde. Ok, j'ai absolument tout ce que je veux. Au niveau... Oula, attendez. Les outils, je sais absolument pas comment on les crée. Doit être satisfait à 55% pour autoriser l'évolution des citoyens. Je sais pas comment on crée les outils.
C'est pas grave. Bon, le chanvre, c'est en train de se faire. Je vais regarder. Est-ce que je commence à en avoir un peu ou pas? Pas du tout. Et tu m'en produis du chanvre, frérot, ou t'attends le déluge? Ah, d'accord. Ok, donc les mecs, en fait, ils viennent des bâtiments de marché. Ils vont jusqu'à leur truc. Et ensuite... Ok, d'accord. Ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Ok, donc ça va être compliqué. Très bien. Alors, attendez. Tac. Pourquoi je peux pas aller là-bas? Est-ce que, du coup, il faut que je mette un petit bâtiment de marché? Ouais. Ok, d'accord. Quoi? Matériaux... Oh non, sa mère. Mon bateau, j'ai besoin de toi. Bienvenue. J'ai besoin de lui. Je peux acheter des trucs spécifiques pour les citoyens, apparemment. Et après, du coup, j'ai des trucs spécifiques pour les esclaves. Enfin, les paysans, pardon. Excusez-moi, je me trompe de mots. Oula. Donc j'ai découvert du coup 2-3 personnes. Apparemment j'ai redécouvert Marie d'Anchois. Je peux demander un tribut. Je peux l'intimider. Je perds de la réputation mais j'ai 70% de réussite. Je peux la flatter. Lui dire qu'elle est bonne. Elle est bonne. Petit bâtiment de marché. C'est quoi un marché? Mais non mais j'ai dit marché. Qu'est-ce que tu racontes? Des attentions favoris de la coexistence pacifique. Vas-y, je vais la flatter. Je veux pas de robe. Devrais-je en porter une sur le champ de bataille? Je m'excuse, madame. C'est pas... Je voulais pas vous énerver, hein. Putain, j'ai perdu de la répute. Ça parce qu'elle est pas contente. Connasse. Offrir un traité de commerce. Ok. Et puis après, on a Gilderoy Lockhart, là. Lord Richard Northbruce. Ok. Bon, lui, j'ai zéro de réputation, je suis déjà en guerre. Lui, apparemment, je suis un peu dans la merde également. J'ai 75%... Yes! J'ai réussi à le flatter. J'ai plus de chance de le réussir à le flatter. Ok. Donc, du coup, où est mon bateau, là? Où est mon bateau? Mon bateau, il arrive. En tout cas, c'est pas comme Anno 1800 où ça galère à se déplacer des fois. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as un problème, frérot? Ou tu veux qu'on se tape? Cet objet fait partie d'une quête. Quel objet? Mais je veux pas de votre quête, monsieur. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas de votre quête. Bon, je gagne 25 pièces d'or. Comparé à ce que... Bah, en fait, non, je gagne. Ok, donc. Hop. Tic. Bon, allez hop, on va prendre du bois aussi, de l'eau. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Déplacez la marchandise que vous souhaitez vendre. Oh non, c'est bon, ça ira. Mon bateau. L'empereur serait un homme heureux si... Oh, se réjouir de votre relation commerciale florissante. J'ai gagné de l'honneur. C'est là. Ok, donc du coup, en fait, à l'heure actuelle, je peux pas me produire moi-même. Je peux pas produire moi-même les... Comment les outils. Du coup, je suis obligé de l'importer. Je suis obligé de les acheter. Le problème, c'est que là, en fait, il me faut une cabane à tisser. Il me faut des... cabanes de tailleur. Et ça coûte vla cher. C'est bon, on s'en fout avec ton Orient, frère. Tu vas pas nous casser la tête avec ton Orient. Où est mon bateau? Il est où mon bateau? Putain, j'en ai marre. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter mon bateau? Merci. Ok, j'en ai 20, ça devrait se faire. Va falloir que je développe un petit peu mes différents trucs. Hein. Par exemple, lui, ils ont besoin d'amusement. Mais genre, qui les a autorisés à s'amuser? Personne. Personne ne les a autorisés à s'amuser. Donc pourquoi est-ce qu'ils veulent s'amuser? Hein?
Fait sombre par chez toi, mon frère. Ah non, ok, c'est moi. Ok, donc alors. Tac. Et tu vas le mettre. Ah mais non. Tac. Du coup, j'ai besoin. Oula. Ah mais non. Il me faut une petite place de marché. Votre ville doit se développer avant de pouvoir évoluer. Cabane de tisserand, cabane de tailleur de pierre. On va tailler de la pierre. C'est donc ça que vous allez fabriquer avec le chanvre. Sage décision. Hop là. Donc du coup, en fait, là, avec le chanvre... Quoi ? Comment ça ? Aucune marchandise ? Tu te fous de ma gueule, gros, ou quoi ? Mais il met combien de temps à produire sa merde, là ? Je sais pas combien de temps il met à produire son truc. Trop bizarre. Bah, je sens que je vais devoir en mettre plus, hein. Je vais remettre une plantation de chanvre, hein, parce que c'est pas possible cette histoire, c'est pas possible. Ils se foutent de moi. Une, deux, trois. Construction bloquée. Voilà. Comme ça, lui aussi, il est en train de faire son truc. Et ça devrait le faire. Donc, du coup, là, je vais avoir ma cabane à tisser. Combien il me reste? Il m'en reste 10. Il m'en reste 10. J'ai une cabane de tailleur de pierre. Donc peut-être que ça marche pas ou quoi? Indestructible. Alors, nécessite un gisement de pierre. Espèce de connard, je l'ai mis le gisement de pierre. Il semblerait qu'aucun gisement de matière première adéquate ne se trouve dans la zone d'influence de cette manufacture. Putain, d'accord. Une île a été colonisée par un autre joueur. Ah non, c'est sérieux, c'est parce que... Ah non, c'est sérieux. Parce que là, du coup, lui... Bah si, pourtant, il est là. C'est de moi ou quoi? Je crois qu'il se moque de moi, là. C'est plus complexe que Anno 1800. C'est moi qui vous le dis. Mais lui, il veut pas... Il veut pas le faire. Bah oui, mais... Gros! Tu te... Ah non, mais... Ah, j'ai compris pourquoi... Ok, laisse tomber mon poteau, j'ai compris. C'est parce que t'es pas assez proche. Je vais le faire là, regarde. Voilà. C'est bon. Livrer 5 tonnes de bois. Et 5 et 3 outils. Yes, allez, vas-y. Alors, attends. Petit entrepôt. Et du coup... Comment je fais pour... Livrer les marchandises suivantes au navire endommagé en mer. Comment je fais pour me téléporter là-bas? Je sais pas où il est, frère. Il est où le navire échoué en mer? Ah, il est là. D'accord. C'est affiché sur la carte. C'était affiché sur la carte. C'est pour ça que je voyais pas. Bon. Ok.
Je fais clic droit, j'ai quoi? Ok, d'accord. Bon, j'ai déjà plus d'outils. Hein. Bah oui, c'est normal, j'ai tout envoyé là-bas. Bon, c'est pas grave. Comme ça, ça va me permettre de voir un petit peu. Est-ce que j'ai besoin d'outils pour construire une maison? J'ai pas besoin... What? Oh là là, what the fuck? Ok, par contre. Ma maison, je peux la mettre là. Merde. Hop là. J'ai dit merché. Bon bah... Oh, ça va. Je me suis trompé, c'est beau. Bon bah lui, on va le laisser y aller, gros. Il en a pour l'année. Allez, en bas. Je commence déjà à bafouiller, j'ai peur pour la suite. T'inquiète. C'est à qui ça? C'est à qui ça? Parce que ça me fait peur, ils ont des vergers et tout. Pas qui c'est ce truc là, mais je veux pas le savoir. Est-ce que du coup le fait d'avoir mis le truc de pierre là, ça me permet de créer des outils en pierre ou pas du tout? C'est mon bâtiment ça, ouais, c'est à moi. Du coup ça crée quoi? Ça crée de la pierre. Super. Et à quoi ça me sert la pierre? C'est ça le truc. Il me faut mine de minerai. Non, petit chantier naval. Il me faut 240 citoyens. Cordier, atelier d'outilleur. Ah yes, et ça, ça va me permettre d'en créer moi-même. Fontaine, bon ça, ça doit être la déco. Capitaine du port, mur de quai, petit entrepôt portuaire, grue de réparation. Ok, d'accord. Et ça, c'est de la taverne. Il faut 355 citoyens. Combien j'en ai? J'en ai 47. On va pas aller loin. On va pas aller loin, c'est moi qui vous le dis. Puissent vos futures rencontres être aussi paisibles que celle-ci. Inch'Allah. Ouais. Que puis-je dire à l'empereur au sujet de la quête? Merveilleux. Votre colonie va maintenant. J'informerai l'empereur de votre extra. Oh, j'ai gagné 1645 pièces. Et j'ai gagné une réputation, Incroyable. Hop. Je ramène mon bateau. Il y a peut-être moyen même que je le fasse aller là plutôt. Comme ça, il va acheter au passage des outils, etc. Hop là. Donc, du coup, là, il a besoin de la foi. Pourquoi ils ont besoin de la foi? Il n'y a pas... Ah, merde. Je peux pas le créer. Il manque 5 outils. Et du bois. Quel enfer. Ils ont besoin de la foi. Amenez-leur la foi. Bordel de merde. Ah non, c'est la nourriture, ça. Et la nourriture, ça se fait avec les poissons, du coup, je suppose. Ah, par contre, ils payent cher. Hein. C'est les taxes. Hein. Ils me donnent quotidiennement 100 pièces d'or. Mais what the fuck? Mais arrêtez! Mais pourquoi? Pourquoi ils me donnent autant d'argent? Il est difficile. Ouais, il est un peu... Enfin, c'est le temps de le prendre en main, en fait. C'est le temps de le prendre en main, de comprendre un peu tous les trucs et tout, mais globalement, ça a pas l'air si, ça a l'air plus simple que 1800, mais en même temps, aussi complexe.
Bon, déjà, il me faut mes outils. Est-ce qu'il va bientôt arriver, lui, ou pas du tout? Ouais, il arrive bientôt. C'est quoi ça? Orient découvert, je m'en fous. Parce qu'en fait, t'as plein de trucs que du coup, je ne connais pas. Et genre, par exemple, dans celui-là, j'ai pas l'impression qu'il y a un système où il te dit, par exemple, combien t'as besoin de citoyens pour tel ou tel bâtiment de ferme, etc. En fait. Ça le fait tout seul ou je sais pas, c'est un peu bizarre. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, je fais un peu au pif quoi. Je fais des bâtiments et t'as pas de trucs de production, tu sais pas trop comment gérer les choses. C'est quoi ça, hein? Après, je peux débloquer des marchandises J'informe spéciales l'empereur de votre citoyens. extraordinaire dévouement. Apparemment, il aime bien que je lui achète des trucs, hein. Il aime bien que je lui achète des trucs. Il apprécie. Il apprécie. C'est le seul que j'ai. 1404. Non, franchement, ouais, je. Pour l'instant, j'aime bien, ouais. Pour l'instant, c'est quoi ça? Oula. Ils sont un peu. Ok. Ouais, on va pas les embêter. Comment ça se passe au niveau nous la nourriture apparemment c'est un peu en baisse. Du coup je pense qu'il va me falloir que je fasse une deuxième pêcherie. Sauf que je peux pas faire de deuxième pêcherie parce que je n'ai pas mon bateau. Je sais pas est-ce qu'il arrive ou pas du tout le bateau. En vrai j'aurais dû je sais pas. Il est où le bateau, putain? Il est là. Non? Bah merde. Je comprends pas. Il est là le bateau, c'est bon. Et je rapporte 16 outils. 1404 Venise. Moi c'est 1404 tout court. Il n'y a pas de Venise ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a le mode Venise. Mais là, j'ai lancé le jeu en classique. J'ai pas lancé en mode Venise. Commercer le négoce. Commencer le négoce, pardon. Je sais pas ce que ça veut dire. Tac. Tac. Ok, je suis totalement full au niveau de mon bois, apparemment. Donc, du coup, j'ai dit que j'allais devoir faire une nouvelle église ici. Voilà. Ensuite, j'ai dit que j'allais devoir faire une nouvelle pêcherie. Voilà. Ensuite. Oh, what? Oh, Pardonne-moi, j'ai mais des je n'ai nomades! pas la permission de laisser les étranges De construire un occuper bazar avant de pouvoir cette établir des nomades. architecture. Comment je crée un bazar? Je sais pas. Les citoyens, là, je viens de créer un deuxième truc pour ça, donc ça devrait le faire. Maintenant, il me faut plus de citoyens, donc ça veut dire qu'il me faut plus de mecs comme ça. Est-ce que, du coup, si je crée. Les nomades, c'est une autre civilisation. Ok. Du coup, là, si je comprends bien, si je veux continuer de mettre des maisons, je suis dans l'obligation de faire ça. Du coup, hop. Voilà. Bah non. Ou alors je dois mettre un deuxième marché. Putain, je me suis trompé. C'est un marché que je dois mettre, c'est pas un. Ah merde. C'est un marché que je dois mettre. Et du coup, là, je suis dans la merde parce que Les j'ai bâtiments plus. sont disponibles. Ah là là. Qu'est-ce que j'ai comme nouveau bâtiment? Ah, je vais pouvoir créer. Je vais pouvoir me. Nécessite du fer. Ok, donc il me faut du fer. Est-ce que j'ai des mines de fer sur mon île? Je sais pas. Hein. Pas du tout. Il faut sûrement. Alors, je pense pas que je puisse le mettre n'importe où déjà. Faut sûrement un endroit qui m'indique. Ça, par exemple. Ça, c'est un gisement de fer. Donc, c'est nickel. Là, j'en ai un également. Sur les terres où tu as trouvé la date. Ah oui, d'accord, ok, d'accord.
Ok. Alors ce que je vais faire, bon bah le temps que l'autre y revienne. Tac, c'est que je vais... Ah putain, c'est un enfer, il faut que je me fasse un marché. Faut que je fasse une place de marché ici, si je veux récupérer ça quoi. Waouh, c'est dur hein. C'est... Du coup il me faut... Il me faut 6. Il m'en faut 6. Et là, il m'en faut 8. Il me faut 8... Il m'en faut 8. Combien t'en vends, toi? Comment allez-vous? Oh non, il en a que 4. Oh merde. Attendez. Oh sérieux, il me donne que ça? Acceptez mes plus cordiales salutations. Faut que j'attende. Faut que j'attende du coup parce que ça va être compliqué. Une île a été colonisée par un autre joueur. Ah, les mecs ils colonisent déjà des îles et tout, mais what the fuck. Ça va, c'est pas celle que je voulais. Terre inhabitée. Ah, quand ça a mis un nom, c'est que la terre est habitée. Mais sinon, ça fait inhabitée, d'accord. Oh, c'est quoi ça hein? D'accord, c'est des récifs. C'est vraiment merveilleux de vous revoir. Bon, déjà, je peux créer un truc déjà. C'est pas grave, on va faire des allers-retours. Hein. On va faire des allers-retours. Là, je suis au max niveau cidre. Donc là, c'est vraiment cool. En fait, là, ce qui va être compliqué, c'est que pour faire des outils, il me faut du fer. Sauf que pour me faire du fer, il me faut un gisement de fer. Et sinon, je suis pas dans l'obligation de faire la deuxième place de marché tout de suite. Je peux attendre un peu. Comme ça, je crée ma deuxième place de marché là. Je peux me faire directement... Là, normalement, j'en ai 5. Donc, je peux me faire directement la mine de minerai. Comme ça, il récupère du fer. Comme ça, j'en aurai un peu en stock quand j'aurai, du coup, le reste... Pour l'atelier de l'outilleur. Après l'atelier de l'outilleur, je peux le mettre juste à côté là. Ça, j'ai pas la nécessité d'avoir de nouveau la place de marché ici. Parce que du coup ici en fait, c'est simplement pour faire des nouvelles bâtisses. Je suis un peu obligé. Après attendez, peut-être que je peux en mettre ici également. Je peux en mettre un peu. Je peux en mettre un peu là en fait, des petites bâtisses là. Non, je peux pas. Je suis vraiment dans la hesse. Genre, j'ai vraiment... Hop, voilà. Au moins, j'aurais des petites bâtisses déjà, au moins. Alors... Bon, lui, il continue sa production de bois. Hein. Ah, il est arrivé. Tech, tech. Alors, du coup, il me faut une place de marché ici. Du coup, il me faut un mine. Quoi? C'est quoi cette merde? Mais. Ah putain, non! Non! J'ai fait de la merde. La place de marché, c'est pour les bâtiments. C'est pour les maisons. Alors que... Le petit bâtiment de mer... Oh non! Putain, et puis tu peux pas les déplacer. Mais quel enfer! Quel enfer! Bordel de merde. Du coup, je viens de dépenser des trucs pour rien.
bienvenue. Du coup, c'est combien pour le petit bâtiment de marché là? C'est 3. Oi, oi, oi. Ah, quel enfer, quel enfer. Bon. D'ailleurs, au niveau nourriture, comment ça se fait que lui, il est qu'à 40% satisfait? Très bien satisfait, lui. Mais la nourriture, il y en a deux. Frère, il y a 39. Il y a 39 tonnes. Augmentation des stocks. Il est satisfait comment, lui? Il sera satisfait s'il atteint 40%? Doit être satisfait à 55% pour autoriser l'évolution. Non, mais gros, par contre, c'est abusé. C'est abusé. C'est-à-dire que là, je dois me faire une pêcherie. Sauf que ça se trouve, je peux pas me la faire. La pêcherie, elle est où? Bah ouais, mais il me faut 50 000 trucs. C'est impossible. Là, il faut vraiment que je commerce de ouf, en fait. Ah ouais. Attends, je fais... Le mec qui fait des bruits chelous en buvant. Oh bah tiens. Regardez qui voilà. Non. Ok, donc j'en ai 4. Non, ça colle aux dents, ces conneries. Bon, honnêtement, je pense pas qu'on va passer toute la soirée dessus. Hein. Il est déjà 22h. Eh ben. Mais au moins, j'ai compris un petit peu comment ça fonctionnait. C'était à boire, pas à manger. Mais j'ai bu. J'ai bu, hein. Constate que vous ne pouvez pas rivaliser avec sa progression, du coup. Mais c'est une connasse, elle. Mais c'est une connasse. Non, mais c'est incroyable, gros. C'est incroyable. Quelle connasse, cette meuf. Ah, bah voilà. Donc maintenant, je peux me faire un gisement de fer. D'accord. J'ai compris. Donc les petits bâtiments de marché, c'est pour faire des constructions de bâtiments. Et la place de marché, c'est pour les constructions de maisons. C'est bizarre. Ouais, j'ai un peu de mal à gérer mon... Enfin, je verrai ça tout à l'heure, mais... Vous serez toujours chaleureusement... j'en ai que 2. Ça veut dire un petit Warzone après ? Alors attends, je peux acheter des trucs? Comment je fais?
Chambre forte. Lieu de négoce. Acheter. Je sais pas comment ça fonctionne. Et du coup, ton planning déjà pas tenu. C'est pas vrai. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Mais pourquoi lui... Je suis full en bois, c'est ça? Ah ouais. Alors par contre, votre rang diplomatique est trop faible pour que je puisse accéder à l'architecture de mon. Ah ouais, donc en gros, je suis un homme faible. Non mais alors attendez. Parce que entre l'autre meuf hein, qui me prend de haut et qui me dit que je suis une merde parce que je n'évolue pas de à la même vitesse qu'elle, et lui qui me dit que je suis trop faible. Donc il a pas envie de m'aider. C'est incroyable. Non mais oh. Je vous jure, moi, il y a des baffes qui se perdent, hein. Alors par contre... Si je comprends bien... Bah déjà j'ai un bateau là, je sais pas ce qu'il fait. La flotte figure régulièrement sur les rapports de notre sultan vénéré. Puisse Allah vous bénir pour votre bon... Ah il m'a vendu... Il me vend des outils. Mais gros... Incroyable ça. Hop, je vais me faire mes propres outils, les gars. Les opportunités de construction de bâtiments ont été étendues. Alors attendez. Je vais me faire mes propres outils, les copains. Allez, maintenant je me fais mes outils, les copains. Pas du tout le bon truc. Non mais le fer gros il est représenté par un tuyau. Moi je pensais que c'était un plombier le truc. C'est n'importe quoi. Bon bah du coup on va retourner acheter des trucs. J'ai... Du coup, j'ai combien d'habitants, là? J'ai 368 citoyens et 56 paysans. Et ça, c'est quoi? Arène de tournoi. Et qu'est-ce qu'il leur faut, ces mecs-là? Il leur faut besoin d'amusement. Et qu'est-ce que je peux leur faire pour... Il faut la taverne. Et la taverne, il faut... Ouais, non, mais ça va. Attendez, les gars. C'est des malades, hein. Allez, papy, tu peux le faire. Hein, je peux changer... Je peux changer le nom. Je commence à perdre beaucoup d'argent alors que je suis en positif. Est-ce que vous trouvez ça normal? Moi, je trouve pas ça normal.
Bon, déjà, l'avantage. Quoi? Mais il y a une limite. Il y a une limite de fer dans ce gisement. Bon, j'espère que je peux faire quand même pas mal de trucs, hein. Déjà, il y en a un deuxième. Bon, j'ai 3 gisements de fer et 3 gisements de pierre. Ça devrait le faire. Bon, j'espère. Alors. Mur de quai. Petit chantier naval. Déjà, je peux construire un petit chantier naval. Hop. Tech. Hein? Non, mais ils se foutent totalement de ma gueule. Mais c'est incroyable, gros. C'est incroyable. Ils se moquent de moi, hein, c'est pas possible. Putain! Maintenant, il... Attendez, mais depuis quand pour faire du fer, faut du charbon? Bon, là, il n'y a plus qu'à attendre. Re-Ingrid. Le goût du triomphe est indescriptible. Guy constate que vous ne pouvez pas rivaliser avec sa progression. Du coup, il me prend pour une merde. Une réputation de moins 2. Bah non. Toujours pas de guerre civile. Moi, je suis un gentil bonhomme. Regarde, ils ont juste pas d'argent, pas de nourriture. Bon, j'ai augmenté les taxes, hein. Ça va bien 2 minutes, mais faut arrêter de nous prendre pour des cons. Hop. Bon, je suis en train de produire du fer. Enfin. Donc, je vais produire du fer. Et après... Quoi, cette merde? Ah non, c'est l'historique des achats. Vous devez m'aider dans cette affaire. Non. Cette affaire d'État ne doit plus être reportée. Bah écoutez, ça fait une... Oh, il y a sa femme qui est disparue. Une nonne à votre entrepôt de Warfhaven. Non. Grâce à vous, on peut enfin s'offrir un bon rôti le dimanche. Ah mais non, j'ai augmenté les taxes des citoyens, mais non.
Les citoyens font quand même que... Non, 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 on va augmenter les taxes des paysans. Voilà. On gagne pas énormément, mais au moins... Mais c'est normal, je trouve ça logique d'augmenter les taxes des paysans. Yes, bah écoutez, ce fut du coup très intéressant. On découvre un petit peu Anno 1404. On peut voir que c'est quand même vachement différent d'Anno 1800. Il y a eu quand même une énorme progression dans le jeu. Là, en fait, ce que je comprends pas... Quel salaud. On peut voir en fait, ce que je trouve très bizarre en fait dans le truc, c'est que tu peux avoir autant de personnes que tu veux. Dans tous les cas, t'arriveras quand même à... Enfin, t'as pas ce système genre il te faut 50 fermiers pour faire ça, si t'en as pas, du coup tu perds de la thune, etc. etc. Ou alors tu l'as mais tu le ressens pas de la même manière. Là où il te l'affiche clairement, là moi je pense en fait c'est surtout en mode genre... Ils te mettent comme ça, genre attention, il est pas non plus tant que ça. Hein? Il lui faut des épices pour être 100% content. Alors toi, mon pote, tu dégages. Tu dégages. Donc voilà. Tout simplement. Les coffres de la ville sont maintenant pleins. Mais que vont dire vos habitants au sujet des taxes élevées? Mais il n'y a pas de taxes. Où est-ce que tu as vu des taxes? Il n'y a pas de taxes. Vous produisez trop de marchandises par rapport à votre... Il n'y a pas de taxes. Je crois que les gens voient... Vous voyez ce qu'on fait pour les gens et après ils nous enculent par derrière. Et bah oui, bah plus jamais je mets de taxes. Voilà, chier. Dans votre gueule. C'est eux qui me demandent de mettre des taxes et après ils sont pas contents. C'est bon quoi. Alors là du coup il me faut de la corde. Il me faut de la corde. En tout cas, on a bien avancé. Hein. On a bien avancé, on a fait du fer, on a fait du bois, on est quand même allé jusqu'au citoyen, hein, même si je l'ai déjà fait hier aussi, quand on avait testé avec Alex, vite fait, pour voir un petit peu ce que ça donnait. Puis j'ai compris un peu comment il fonctionnait le jeu, c'est le principal. En fait, c'était vraiment ça que je voulais voir. C'était comment fonctionnait Anno 1404 à l'époque, pour voir un petit peu la différence avec le Anno 1800 d'aujourd'hui. Et bah, y a quand même énormément de nouveautés sur le 1800 qui sont vraiment incroyables, quoi. Et tu le ressens tout de suite. Tu le ressens tout de suite, ou genre déjà, juste dans le 1800, juste avoir le truc ici, c'est... Respic s'est abonné, merci beaucoup pour l'abonnement, merci à Alex qui a offert un abonnement à Respic, bienvenue, welcome à... Merci Alex pour le sub offert, merci beaucoup. Donc je disais, ouais, là où c'est plus pratique, je trouve, au milieu, parce que tu le vois mieux, plutôt que d'aller en bas à droite, regarder les trucs, ça y est, c'est compliqué, c'est chiant, et puis même, je trouve ça, c'est plus ergonomique, il y a peut-être moins d'interface sur le 1800, quoique, non, il y en a tout autant, mais je sais pas, je trouve que l'interface du 1800 est, bah, déjà est plus moderne, donc... Donc tu vois tout de suite la diff, quoi. Tu vois tout de suite la diff. Mais voilà. Welcome. Mais voilà, en tout cas, très content
Très content de ce petit anneau 1404 en vrai. Hein. Bon, je ne lâcherai pas le 1800. Ah, je ne lâcherai absolument pas le 1800 pour rester sur le 1404. Hein. C'est hors de question. Le 1404, non merci, c'est bon, on peut s'en aller. Et puis on va aller sur... On va aller sur Warzone, je pense. Oh, le petit canard qui revient. Ubisoft Connect a détecté une erreur fatale. Ah. Bon, bah... Le launcher a crash aussi, super.